Ne voyez-vous pas, à cause du délaissement des conseils des savants, tous les problèmes de l'Orient à l'Occident, même dans ce pays, le pays du Tawhid et de la Sunna, jusqu'à Médine, devant les savants. Et tu vois cela, lever la tête devant les savants et se devancer sur eux, participer dans toute affaire et enregistrer dans toute question et transmettre tout ce qui passe dans leurs mains, que cette chose mérite d'être transmise ou non. Ils ont alors corrompu, et Allah n'aime pas les corrupteurs. Ils ont rempli les poitrines des gens d'animosité. Ils ont été la cause de diviser entre les frères et ils ont causé des troubles dans les rangs des gens de science.